Oups. Les personnages de fiction avec lesquels vous feriez bien un naufrage. Oh là là. Oh là là. Alors, il y a un personnage, parce que je suis fan de Fred Vargas, donc je pense que je serais assez fascinée de partir avec Adamsberg. Adamsberg, le commissaire Adamsberg de Fred Vargas. Je l'emmènerais bien avec moi pour découvrir un petit peu son côté sombre. Adélaïde, dans Adélaïde de Marie Laberge, enfin... ce personnage-là, de cette saga de Marie Laberge, Gabrielle, Adélaïde, Florent. Avez-vous un lieu d'écriture estival favori ? Eh bien, c'est vrai que je peux écrire partout. J'emmène avec moi mon petit carnet ou mon mode note de mon téléphone, donc sur une plage, face à la mer, en Bretagne. C'est dans mon bureau, dans ma maison à Rouen, ou alors c'est dans notre lieu de vacances où on est souvent en Provence, dans le Luberon, avec ma famille. Donc il y a toujours un moment d'écriture là-bas. Alors j'en ai même deux, qui se trouvent en Bretagne. Mine de rien, c'est quand même un joli hasard. Dans la forêt de Brocéliande, pas loin du Val sans retour. Et l'autre lieu, c'est à Pléneuve-Val-André. Quel classique de la littérature emporteriez-vous sur une île isolée de tout ? Alors, ça va être un classique de la littérature anglaise et ça va être Orgueil et préjugés. L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Classique de la littérature, je vais dire un recueil de poésie de Victor Hugo. Quelle lecture avez-vous prévue cet été ? Donc, je suis en train de lire L'intelligence des plantes. Je lirai le dernier Virginie Grimaldi. Je lis les essais de Montaigne aussi, parce que je vais faire des petites citations dans mon prochain roman. Je lirai également le dernier d'Agnès Ledig. Des auteurs que je suis pour l'été. Je vous encourage à lire des livres sur la nature pour aller se promener ensuite dans la nature.